Bonjour et bienvenue sur Madame F, toujours na Welcome TV. Welcome TV, chaîne Nabiso National, na Katia Londres Awa, na UK Mobimba. Alors, na Sopé Sabino, vraiment merci pour na Ndenge Bozali branché en ce moment na émission Langaï. Alors, la fois passée, tout ça, la qui est émission, na Sabino, qui est Ozali, na toujours na topic qui anine ya sur le mariage. Tout ça continue toujours sur le mariage. Mais les lots vraiment na yé na topic mususu vraiment o ezali pour la e aider biso na société na communauté na venir na vraiment ezali eloko moko il faut mutu nyonso o azo vivre na Angleterre o azo vivre na Europe ayeba place na yé ezali wapi avant to kota vraiment la sujet ango na ko linga vraiment ko lobezali sur une personne que j'estime beaucoup Azali, sœur Nanga, vraiment, je la prends vraiment en considération. Azali, Moutumoko, la lingue Mingi, Azala Batala et Bélé. Alors, Lélo, Naye, pour l'ana présenter Bino Baémission, Naye, Oyazo Rosala, na, sur l'Internet, mais la lingue Bino Bo découvrir en gros. La personne, il y a Nancy Katambala Kabongo. Nancy Katambala Kabongo, Lélo, la représentée, n'est-il sœur Nanga, mais la représentée, n'est-il avocate. Azali mwana oyo atangi na mboka oyo asali ba effort na etu asilisi pe akomi ko travailler au service de la communauté. Alors azaki ide moko vraiment génial. Alobi na koko sala ndenge nini pour na aider communauté na biso congolaise. Alors a trouvé solution moko la loi simplifiée. La loi simplifiée pourquoi? Bande ko langa lo baké ata Yesu ye moko tanga yaki anase a simplifier ki pe la loi. Comment retourner en aïe? Jésus-Christ à l'obakike, il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour accomplir la loi. Alors, à simplifier quand on est à l'obi, aime ton Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. Simple. Donc, ce qui yo au lingin de kona yo, loko la yo moko, au lingin de boso nzambe, au lingin pen de kono loko la yo moko, au monite ke na kati a ba 10 commandements, nyo soana vzana kati. Alors, Nancy Katambala, à l'objet, à quoi simplifier biso, ba loi, yamboka oyo. Parce que nul n'est censé ignorer la loi. Na loba ango toujours que, tu es ba loi na biso, tu es ba devoir na biso, tu es ba obligation na biso. Alors, Nancy Katambala Kabongo, aye libiso, na la loi simplifiée. Alors, toko kenena lutozo nga lanu sima. Na makambu oyo, e utiko lekana awa, binomo nyo soye biango Brexit, boye biango. Tozan la deux émissions, la Sabino lelo, mais tu rebandana nous tozon ala nous sima. Bota la nous baloua ou ezali relative au droit de l'Union européenne. Ce qui régit ezali redi, barousa la nga signe pour la totale la nous liboso la loi relative au droit de l'Union européenne. Naibite so passer à bienvenue, Bozali. Bonsoir, nous voici de retour à la loi simplifiée. Comme prévu, aujourd'hui, nous allons simplifier ensemble la loi relative à l'Union européenne. C'est le sujet du jour. Tout le monde veut savoir, est-ce que les Anglais vont quitter l'Union européenne ou est-ce qu'ils vont rester dans l'Union européenne? Mais avant de comprendre l'effet que cela peut avoir sur nous, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'est l'Union européenne. C'est tout simple. L'Union européenne, c'est une association volontaire des États membres en ce qui concerne l'économie, la politique, et c'est aussi pour assurer la maintenance de la paix dans l'Union européenne et aussi pour le progrès économique et social entre les pays européens. Tout membre de l'Union européenne doit payer pour être membre. C'est comme un club. Pour être membre d'un club, il y a des frais qu'il faut payer. Alors, beaucoup ne sont pas contents de ces frais. Ils disent que les frais sont trop élevés, sont exorbitants. Et puis, comme chaque membre, il y a des règles qu'il faut suivre. Dans l'Union européenne, les règles de l'Union européenne, ce sont les règles qui sont suprêmes. Tout étant membre doit suivre les règles de l'Union européenne et ce sont les règles
qui gouvernent chaque pays d'État européen. Ils sont des règles qui sont des lois, qui sont supérieures aux lois nationales. 70 à 80% des lois de chaque État membre, pardon, sont influencées par les lois européennes et aussi par la jurisprudence de la Cour européenne de Strasbourg. Alors, ceci étant, les Anglais en ont marre. Les Anglais se disent qu'ils ne peuvent pas être dirigés par Bruxelles, car c'est là où est le siège de l'Union européenne, au lieu d'être dirigés par les personnes qu'ils ont eux-mêmes élues. Alors, ils veulent quitter. Être membre de l'Union européenne veut aussi dire que les ressortissants de ces pays peuvent circuler librement dans d'autres États membres. À partir du 1er juillet 2013, on compte 28 États membres. Mais quand les Anglais sont devenus membres de l'Union européenne en 1967, il y avait moins de membres. Il y avait même moins de 12 membres dans l'Union européenne. Mais aujourd'hui, maintenant, il y en a 28. Alors, les membres de ces 28 pays peuvent circuler librement dans les États membres. Ils peuvent faire leur business librement, l'économie est libre et cela dérange plusieurs personnes. Il y en a qui disent que à cause de cela, les autres membres, les ressortissants des autres États membres viennent voler les travails des Anglais ou les Français ou ainsi de suite. Alors les Anglais veulent bloquer tout cela et veulent sortir de l'Union européenne. Comment est-ce que cela va vous affecter vous personnellement? Ah, c'est un saut dans l'inconnu, alors on ne peut dire exactement comment ça va vous affecter. Mais ça peut faire à ce que, pour que vous allez habiter dans un autre État membre, il vous faudra peut-être un permis de séjour ou un permis de travail que vous n'avez pas besoin d'avoir en ce moment. De plus, pour faire le business avec d'autres États membres, ils peuvent avoir des restrictions. Ça, tout ça, c'est l'inconnu, car les Anglais peuvent avoir des contrats peuvent négocier avec l'Europe ou ces pays individuellement pour ce que ces ressortissants puissent aller travailler là-bas ou faire le business avec eux sans pouvoir suivre les règles que d'autres étrangers suivent. Mais cela serait difficile car vous quittez l'Union européenne et c'est sûr que beaucoup voudront punir l'Angleterre. C'est vraiment une décision qui est importante. Alors, je vous conseillerais, si vous êtes ressortissant de la Grande-Bretagne, d'aller voter la semaine prochaine et de vous rassurer que votre mot est inclus. Car ce n'est pas une décision simple. Ce n'est pas comme si vous allez tout simplement voter pour le Premier ministre et dans 4 ans, si vous changez d'avis, vous allez voter pour un autre Premier ministre. Là, la décision de rester ou de sortir de l'Union européenne va tous nous affecter. Car, un exemple simple, les Anglais, ils sont dans les frontières en France, là où beaucoup d'immigrés essayent de rentrer en Angleterre. Est-ce que les Français vont les laisser rester là-bas s'ils ne sont plus membres de l'Union européenne? Est-ce qu'ils vont refouler tous ces demandeurs d'asile en Angleterre? Qu'est-ce qui va se passer? C'est vraiment très vague et c'est vraiment un saut à l'inconnu qu'il faut avoir plus de réponses pour pouvoir prendre une décision. C'est une décision difficile. Faites vraiment vos recherches et vraiment il faut vraiment essayer de comprendre le pour et le contre pour rester dans l'Union, de rester dans l'Union européenne et de sortir avant d'aller voter. Mais je vous conseillerais d'aller voter et de dire votre mot. Moi, personnellement, je pense que rester dans l'Union européenne sera plus bénéfique car nous savons où nous allons, mais la sortie, nous ne saurons pas qu'est-ce qui va se passer. Merci pour cette session de la loi simplifiée concernant l'Union européenne et on se retrouve encore une prochaine fois pour une autre loi simplifiée ensemble. Bonne soirée et à bientôt. Welcome back, toujours la Welcome TV. Alors, Namoni, Bolandi, moi, vidéo, wana, ndenge, avocate Nabiso Nancy Katambala Kabongo, a expliqué qu'ango avant bas ba décision au tozan ango lelo. Alors, asenga batuba voter tout ça bon, to yebite.
na kolingana na koyebisa pe bino ke bana tozobokola bango awa na poto so bake ba université en tout cas tosala effort wana ke bana na biso oke université tosuka na ba McDonald's ba McDonald's eza ba biloko moko ba part-time tolinga bana na biso na ba classe oyo baza kosala bazwa succès na vie na bango futur. Alors wana avocate na biso Nancy Katambala Kabongo apesa biso moi likambo avant baso banino. Alors na kolinga sikoyo so bolingi boye bazali donc asa na page na ye officielle na Facebook la loi simplifiée azo pesa banino yo ba consultation na ye na Facebook ezali gratuit. Toute question nyonso aux a permis au retour na ye OK quand la page il y a la loi simplifiée na Facebook au Betty au moment là ezali vraiment magnifique au Betty au tournier question sur retour na ye à vous répondre ezali gratuit immigration makambu donc makambu ebele makambu ebele troya la makambu ebele ebele au moment la makambu o azo sala elenge moi si na sika bongo katambala alors Sikoyo, wana ezalaki sikoyo avant décision oyezwama ya Brexit. Sikoyo, tokolinga sikoyo to sala, oyoyo, article mususu, loi simplifiée mususu, pona biso, bino nangai, nga pe na découvra ki onka katango alobaki yango, toyeba sikoyo, qu'est-ce qui va se passer après référendum ndenge salamaki, ndenge ba voter out. Qu'est-ce qui va se passer encore après makambu oto sala. Alors na kolinga lisusu ce qui régit ali près batie la biso sikoyo la loi de l'article 50 de Lisbonne la loi simplifiée par Nancy Kabongo Tolanda et puis to sala ba commentaire. Bonsoir, nous voici de retour à la loi simplifiée. Comme prévu, aujourd'hui nous allons simplifier ensemble la loi concernant l'article 50 du traité de Lisbonne. Comme vous le savez, les Anglais ont décidé, suite à un référendum du 23 juin de cette année, de quitter l'Union européenne. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Quelle implication cela aura sur vous, ressortissants de l'Union européenne qui habitent la Grande-Bretagne ou bien ressortissants britanniques habitant dans d'autres pays européens? Jusqu'à là, rien. Cela ne veut absolument rien signifier, car rien n'a encore été fait. Les Anglais ont décidé, mais juridiquement, rien n'est fait. Pour que les Anglais puissent quitter l'Union européenne, ils doivent le faire d'une manière prévue par le traité de Lisbonne, l'article 50, que nous allons simplifier ensemble. Que dit l'article 50? L'article 50 dit que pour quitter l'Union européenne, il faut notifier le Conseil de l'Union européenne. Et les Anglais, jusqu'à là, ne l'ont pas fait. Une fois qu'ils auront notifié l'Union européenne de leur décision de quitter l'Union européenne, c'est là que les négociations vont commencer pour savoir les modalités de leur retrait. Les négociations prennent à peu près 2 ans pour arriver à sa fin. Et c'est l'Union européenne avec les Anglais. Les deux parties négocieront selon les traités que les Anglais vont garder ou qui vont changer. Toutes les modalités doivent être faites et ça prend un long moment. Ça prendra vraiment longtemps. Les Anglais, la Grande-Bretagne, jusqu'à là, n'a encore rien dit. Le Premier ministre qui doit normalement dire comment tout va se passer a démissionné. Ceci étant, il dit qu'il faut attendre au moins jusqu'en octobre quand un autre Premier ministre sera voté pour que les négociations puissent commencer. Alors, rien n'est fait jusqu'à là. Restez calme, ne paniquez pas. Si vous êtes britannique, vous voulez aller en Europe, vous n'avez pas besoin de visa car rien n'a changé, vous partez comme d'habitude et les Européens, vous venez ici comme d'habitude jusqu'à ce que l'article 50 soit activé. Une fois que l'article 50 est activé, comme je vous ai dit, il faudra encore les négociations et les modalités et ça peut aussi que rien ne change
car les Anglais peuvent négocier à ce que vous que les ressortissants britanniques qui sont à l'étranger, je pense qu'il y en a au moins 2 millions, ils peuvent négocier que ces ressortissants britanniques puissent habiter là-bas et des traités vont être négociés, des modalités, et rien ne va se passer. Et ceux qui sont ici, les Européens qui habitent en Angleterre, l'Europe aussi peut négocier, alors faudra pas paniquer. Si vous avez des questions, vous êtes ressortissant européen et que vous habitez en Grande-Bretagne, vous avez des questions, n'hésitez pas, contactez-moi et je pourrai vous conseiller davantage. Et si vous êtes congolais et que vous voulez des conseils selon les lois britanniques en Lingala, je parle aussi Lingala, n'hésitez pas, Bobenganga, Torosolola, nous expliquer bino baloi européen, na baloi britannique, na Lingala, problème ezate. Alors, on se retrouve une prochaine fois pour une autre loi que nous allons simplifier ensemble. Pour le moment, je vous dis bonsoir. Merci. Welcome back encore, en tout cas, nous avons su comprendre après ma communauté au depuis le changement au salaire de la carte d'Angleterre. Ce qui besoin de plus, plus de précision, dans la loi simplifiée, la page officielle, na Facebook. Question nuance, pour répondre à alors, mutu azala siko otoye barake muta muta zana position na ye. Tolo baka makambu otoye bite. Mutu oyo soke o teka ka mapa, yorubete la biso makambu ya mapa. Mutu oyo yo azali osala ka likambu. Don mutu na mutu azala na likambu na ye. Soko za politisyen, folo ba makambu politiki bien. Ezali politik ezana munoko ya batu nyo so tute. Kuisine ezana makambu mutu nyo so tute. Donc, voilà. Alors, mutu na mutu ayeba, domaine naïe à exploiter comme il faut. Mais tu ne dis pas que tu as toutes les questions, je vais vous répondre comme il faut. Dans la convention, il y a Papa Raph. Papa Raph Bilolo, na maman Grace. Bazo sa la convention, moko 4 jours, il y a convention. Et Zali, le 28 juillet, tu le 31 juillet. Donc, Rio Book of God. Alors, vous allez nous donner plus de précisions next time, parce que tout ça, c'est un peu plus après Oyo. Donc, on est allé convention à Papa Raph, Papa Raph Bilolo, la maman Grâce. Donc, on a expliqué Bilon Kaka. Merci, on a Bilon Yon surtout, vous avez supporté Ngaï. En tout cas, premier conseil, on a toujours M. Jean-Bernard Tifunda, à ma famille, famille Simons, toute ma famille Simons, à ma belle famille, famille Tifunda. Ceux qui ont raté l'émission, on a Oyo, qui est toujours la YouTube, il y a. Pasteur Jean-François Nzoubila, Bourmont, la paix, émission OEO. Donc, ils allaient toujours. Wana. Et puis, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit donc, tous allaient. Toye, Belo, nous avons sala. Mouta Moutou, Aza, dans le domaine, là, Neti, Ndekola Bisso, Azo, sala, domaine, et avocate, Azo, Pesa Bisso, ma conseil comme il faut. Alors, tu commences quand on attend où il y a divertissement. Donc, nous avons dit toujours, tous allaient la série, ya, ba mariage. Tu retires la note la bino c'est quoi moi suite n'anga les sous sur un mariage et tu comme la moi c'est bené donc toi après les choses sérieuses tu comme moi là toi c'est divertir moi mon cœur quoi et ça l'aura toujours bien na remercier bino après nga wa bah programme la chose qu'on continue toujours la Welcome TV vous allez toujours brancher alors je vous aime bien see you next time goodbye.
Thank you.
pas trouver quelqu'un avec qui danser, hein. Thank you.
Yeah.
Merci beaucoup.